Vous étiez où? Où? À Strasbourg! C'est l'excuse la plus ouf que j'ai entendue. Parce qu'on est d'accord, je suis nul en géographie, mais on n'est pas à côté. T'es venu quand? T'es parti quand de Strasbourg? À 14h pour me voir? Mais non! T'es pas un connard, t'es un mec incroyable! Non, pour de vrai? Non, pour de faux! Pardon? L'accent de Alsace, mais tu viens pas de Strasbourg? Non, mais pas dans la vie, tu viens d'où? Non, mais il a compris son origine, genre. Genre, ça avait été un Renan, il aurait dit Sénégal. Quand je dis tu viens d'où, c'est là à l'instant. Strasbourg, il a répété encore une fois, c'est pas possible. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Mademoiselle. Prof de danse. Prof de danse. Quelle danse? Danse de couple. C'est ton rêve d'enfant, ça? Tu voulais voir quand t'as commencé la danse, à quel âge, toi? 5 ans. Ah? 5 ans. Il y a un petit accent. Sud de la France? D'accord. Toulouse, j'ai envie de dire. Waouh, je t'ai insulté, on dirait. Eh, traite ma mère de pute, mais me dis pas que je viens de Toulouse, d'accord? T'es ouf? Elle a tellement mal pris. Quoi, Marseille? Eh oui, mais on... Vous êtes très nationaliste sur les villes, c'est fou. Lyon aussi, vous êtes très sur la ville et tout, très à fond dans le... On a des profs de danse, qu'est-ce qu'on a dans la salle? Métier de rêve, tu voulais faire, vas-y. Commerçant. Commerçant? Tu viens de Marseille aussi? Commerçant. Bien vu. Bien vu, il y a beaucoup d'indices. Beaucoup d'indices. Commerçant, qu'est-ce que tu vends? Du shit, du shit. C'était mon rêve de boss. Tu voulais vraiment du shit. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom pour commerçant? Non, dis non, je veux rien du tout, moi. Dis-moi, je suis en showbiz, dis-moi. Pièce automobile. Oui, on n'est pas loin de l'illégalité quand même, on reste dans la... J'ai mélangé mes deux passions, la course à pied et l'automobile. Quelqu'un peut me faire rêver? Mademoiselle? Pourquoi tu as dit en t'excusant là? Vétérinaire, voilà. Pourquoi tu t'excuses? Je voulais être chirurgien pour les humains, mais bon. Les labradors ne peuvent pas se plaindre. J'ai 100% des bons diagnostics. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche un travail? Vous êtes 700, je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche un travail? On peut l'aider à trouver une... Oh, c'est très humiliant. Il y a un groupe de 3 filles. Il y en a 2 qui font. Vas-y, c'est le temps. C'est quoi ton prénom? Amina. Dans quel domaine tu cherches? Dans tout? Ah ouais, on est sur... la... En reconversion. Non, mais c'est-à-dire... Dis-moi, Amina, dis-nous. T'étais parti sur quoi à la base? Infirmière. Et tu t'es rendu compte que c'était pas ton truc. Au bout de combien de temps? 4 ans. C'est long quand même pour... non? Est-ce que par exemple, quand t'es sur un mur, tu fais « Oh putain, il y a un mur. Ah putain, il y a un mur. Putain, il y a un mur. » Pendant 8 ans. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que tu aimerais faire, Amina? Tu sais pas, mais dans quoi t'es douée? Qu'est-ce que t'aimais bien dans le fait d'être infirmière? Le contact avec les gens? T'aimes bien les enfants? Pas trop, ok. T'aimes bien le... Est-ce que quelqu'un... qu'on pourrait demander à quelqu'un qui bosse dans la vente? Commerce, infirmière, on est vraiment dans le même profil, effectivement. Est-ce qu'on a quelqu'un qui cherche un travail? Vous êtes 1200, on peut peut-être créer une combinaison. Vas-y, jeune homme. Dans les télécoms, c'est-à-dire... Tu travailles, tu cherches un truc que tu as déjà, mais dans d'autres télécoms. C'est vrai qu'en plus, c'est pas comme s'il y avait une grosse concurrence sur les télécoms en France. Tu bosses chez qui? Chez SFR. Et tu aimerais bosser chez qui? Il y a 3 choix, hein, on va pas passer 3 heures. Mais... Comme si, t'as 3 CV envoyés, c'est 10 minutes. Non mais c'est vraiment, c'est pas... Pour? Il y en a combien de choix? Dis-moi à peu près. Une dizaine? Ok. Est-ce que quelqu'un bosse dans les télécoms ce soir? Ah, pour quelle marque? Bah, c'est une couleur et un fruit. Une couleur et un fruit? Toi, t'es dans les jeux, toi. Lui, il est dans les... Et ce qui est le pire, c'est que cette blague-là, il l'a fait à chaque nouvelle personne qu'il rencontre. Personne n'y échappe. Lui, il rencontre des gens, il va s'inscrire sur des sites de rencontres pour rencontrer des gens, pour que quand ils disent « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»
Alors j'improvise, hein, mais c'est une couleur et un fruit. Non, c'est pas Bouygues, rien à voir. C'est, d'accord, je pense que c'est orange. Voilà. Bravo, petit Kegroff.